Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur We Do Biz et nous sommes au Trophée des femmes de l'économie pour la région Grand Ouest. Avec moi Anne-Marie Petit, bonjour. Bonjour. Anne-Marie Petit, vous êtes la marraine pour cette édition du Grand Ouest, vous êtes la marraine donc des Trophées Grand Ouest et vous êtes par ailleurs PDG de l'entreprise Triniten. C'est exact. Première question Anne-Marie, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être marraine et de soutenir les femmes de l'économie ? J'ai choisi de soutenir les femmes de l'économie pour ouvrir une voie pour les générations qui me suivent, pour les générations de femmes et leur permettre d'accéder à une facilité d'emploi et de compétences en fait, qui est des fois un peu difficile en fait, à trouver dans notre société actuelle. En tant que PDG de la Triniten, quel message vous avez envie d'adresser aux femmes qui ont cette envie mais qui peut-être n'osent pas ? Je souhaite leur dire que d'oser, parce que le premier pas est le plus dur et qu'après, le reste se fait relativement plus facilement. Vraiment, c'est la première chose, c'est oser. Et que pensez-vous des lois sur la parité qui ont été imposées aux entreprises ? Est-ce que ces lois devraient exister dans une société où normalement on est tous égaux ? Pas forcément. Donc c'est un premier pas, maintenant ça devrait être naturel et on devrait choisir les personnes en fait en fonction de leurs compétences et absolument pas par rapport à leur origine, à leur sexe ou à leur religion. C'est quelque chose qui pour moi en fait est dépassé et que aujourd'hui en fait la meilleure solution c'est de justement utiliser la complémentarité homme-femme des origines différentes qui amènent justement des compétences différentes. Et un mot sur votre entreprise, Anne-Marie Petit, la Triniten, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait ? Alors la Triniten, c'est une biscuiterie qui a été fondée en 1955 par mon grand-père, qui a été développée par mes parents de 73 jusqu'à 2012. Et en fait, je suis à la tête de cette entreprise familiale depuis 2012. Et alors, niveau parité, comment ça se passe chez vous à la Triniten ? Alors nous, on est plutôt en parité inversée. On a eu beaucoup, beaucoup de femmes, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Donc, puisque le monde ouvrier dans notre partie agroalimentaire est plutôt féminine, aujourd'hui, la tendance, en fait, s'inverse un peu, mais avec une majorité de femmes. Et du coup, comment est-ce qu'il y a de la parité inverse ? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait des actions pour équilibrer entre femmes et hommes ou pas ? Comment ça se passe ? Alors, c'est pas qu'on le fait pas, c'est qu'en fonction des profils que l'on recherche, on trouve des personnes. Donc, on n'a aucun a priori que ce soit un homme ou une femme. Maintenant, on choisit la personne par rapport à ses compétences et pas par rapport à un sexe. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Anne-Marie Petit d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes PDG de la Triniten et que vous êtes aujourd'hui ici en tant que marraine plutôt des Trophées des femmes de l'économie pour la région Grand Ouest. Merci beaucoup. Merci beaucoup.